C'est 13 juillet qu'elle a là. C'est 13 juillet qu'elle a là. C'est 13 juillet qu'elle a là. Voici 13 juillet. Je suis venue matin au travail là. Voici moi. Voici moi. Ça. Tout est inondé ici. Tout est inondé. Vous voyez? Vous voyez? Tout ça, c'est 13 juillet. C'est 13 juillet. Je ne peux même pas passer, j'ai peur. Vous voyez? Ah mon frère, vous faites doucement. Bah, allez, là, nous tous on a peur de passer ici. Ouais, tout ça c'est très juste. Abidjan, beau. Appelez tous les militants du RHDP. Aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à aller prendre des photos, ils vont commencer à montrer pour comparer au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, à la Guinée. C'est le moment qu'il faut aller prendre des photos. C'est là qu'il faut aller prendre des photos en fait. Pour aller montrer. Sinon là. C'est pas la nuit où il y a la lumière qu'il faut prendre des photos, c'est là là. C'est là on doit voir si Alassane Ouattara a vraiment travaillé en Côte d'Ivoire. C'est là on doit voir si Ouattara a travaillé en Côte d'Ivoire. Voici des gens qui sont allés casser maison des gens. Ils ont dit non. Ils ont dit non pour risque d'inondation. Ils vont casser la maison des gens pour les mettre dehors. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant que vous avez cassé maison des gens dans les autres communes pour les mettre dehors, mais à Trècheville là, c'est inondé. Hein? Allez, la maison des gens là, c'est rempli d'eau. Rempli d'eau, allez-y maintenant, les faire sortir, vous allez les mettre dehors. C'est ça, on veut savoir. Maintenant, je me demande, on dit les gens travaillent dans le pays là. Mais quand c'est pour casser maison des gens là, ils disent non, risque d'inondation, ils veulent casser les maisons. Ils cassent. Mais dans les têtes là, toute intelligence qui est dans les têtes là, cette inondation là, c'est aller casser maison des gens. Risque d'inondation en Côte d'Ivoire. Intelligence qui est dans la tête du gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est cassement des maisons des gens. Mais trouver une stratégie pour évacuer l'eau, ça y a pas. Sinon que Babo lui avait tout ça là. Hein. Babo avait ça. Autant de Babo, on n'a pas connu ça. Il pleuvait, on n'a pas connu ça. Où les gens nagent en plein midi, en plein 6h, en plein midi, en plein 13h, 14h, les gens sont en train de nager pour traverser là. Au temps de Babou, on n'a pas connu ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En plein midi, les gens sont en train de nager pour traverser. C'est-à-dire, gouvernement de Côte d'Ivoire là, pour évacuer l'eau là, ça ne rentre pas dans les têtes. L'intelligence de ça ne vient pas. Mais quand c'est pour casser une maison là, là ça vient. Ouattara travaille, Ouattara fait pont. Mais pourquoi il fait pas aussi pont en l'air pour bloquer l'eau, pour faire traverser l'eau? Ils peuvent même pont en bas pour faire traverser l'eau. Quand on vous dit vous êtes nul, aucun plan de développement qu'on a la Côte d'Ivoire se développe. C'est ça là. On a fait un pont, réhabilitation des routes, Côte d'Ivoire développée. On vous blague à lumière, Côte d'Ivoire développée. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous.